وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 9. Après avoir fait la grande ablution, si la paume de ma main touche mon postérieur ou une autre partie de mon corps, compris entre le nombril et le genou, dois-je reprendre les ablutions mineures? Non, tu n'as pas à reprendre les ablutions mineures. J'ai touché ton postérieur, à la sahih, ça n'annule pas les ablutions. Toucher ton sexe également, ça n'annule pas les ablutions. Sauf si tu touches ton sexe avec désir, comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Si tu touches ton sexe avec désir, ça annule les ablutions. Mais si tu touches ton sexe sans désir, ça n'annule pas les ablutions. Ceci afin de regrouper entre les textes. Le texte qui a dit celui qui touche son sexe doit refaire les ablutions. Le texte qui dit que ce n'est qu'une partie de ton corps. Et j'ai expliqué cette question dans le Durar, al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohamed ibn Ali al-Shawkani. Hein, les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique. J'ai détaillé la question là-bas. Je ramène la divergence des savants et les arguments de tout un chacun. Donc celui qui veut plus de détails, il peut repartir là-bas. De toute façon, il y a les titres. Hein, les choses qui annulent les ablutions. Okay. Donc j'ai détaillé là-bas cette question. Donc ici, as-sahih, Allah Ta'ala a'lam, c'est que la personne ne reprend pas les ablutions. Naam, Allah Ta'ala a'lam. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna.